Bonjour à tous, c'est Célia. Je vous retrouve pour la présentation de ce jeu-ci, Féminilune, qui a été réalisé par Monique Grande et dont les illustrations ont été faites par Gaïa Orion. C'est un jeu que vous retrouvez aux éditions du Courrier du Livre et qui se compose de 32 cartes pour apprivoiser votre cycle lunaire. Alors, il arrive dans un coffret carré, comme vous pouvez le voir, comme ceci. Et rigide, voilà, c'est une boîte rigide, hein, toujours au Courrier du Livre d'ailleurs. Vous retrouvez un gros guidebook carré et les cartes sont à l'intérieur et ce sont, vous le retrouvez dans une petite pochette et ce sont des cartes rondes que je vais vous montrer et vous faire découvrir tout à l'heure. Voilà, donc je les mets de côté pour l'instant. Je vais vous parler un petit peu du livre qui est une petite merveille. Alors Monique Grande, vous la retrouvez, vous la connaissez d'ailleurs peut-être déjà avec son jeu Féminitude que vous retrouvez aux éditions du Souffle d'Or, qui est un jeu absolument merveilleux. Vraiment, j'ai travaillé avec depuis assez longtemps maintenant. Et qui est un jeu merveilleux pour justement découvrir sa féminité, explorer sa féminité. Et là, elle nous offre un jeu sur les lunes qui sont absolument sublimes. Donc les lunes, le cycle menstruel. Et vraiment, elle a fait un travail empreint de sensibilité que j'ai trouvé très admirable, vraiment. On voit qu'en plus, dans une partie du livre, en début du livre, justement, Monique Grande se livre un petit peu justement à nous. Elle nous parle un petit peu de comment elle a vécu justement son approche de ses cycles. Et c'est vraiment très intéressant justement d'avoir son retour. Et puis on comprend aussi sa démarche de se libérer comme ça des idées négatives qu'on peut avoir ou qu'on a partir de la société qu'on nous donne dans notre société ou avec certaines réflexions que l'on a autour de soi sur les règles. C'est quelque chose qui peut se révéler assez tabou alors que ça fait pleinement partie de la femme. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'en dénigrant cette partie-là de la femme, on dénigre la femme parce que c'est aussi ça qui nous constitue. Ça régit toute notre... ça régit toute notre vie en tant que femme. C'est ce qui nous permet de faire des enfants. Voilà. Donc, je m'emballe pas. Vous comprendrez, c'est un sujet sur lequel je m'emballe parce que ça me parle beaucoup et que j'ai beaucoup travaillé dessus et j'ai pu déjà commencer à avoir cette approche grâce à Féminitude. Et comme j'ai beaucoup travaillé sur le féminin sacré, forcément, c'est quelque chose aussi qui vient... Forcément, si vous travaillez le féminin sacré, vous travaillez forcément sur vos cycles, sur les lunes, sur la... Enfin voilà, bon, ça y est, je sens que je me réenflamme. Allez, je vous fais la présentation du livre. Vous avez toute une grosse partie, hein. Vous voyez, les cartes, les descriptions des cartes commencent. Alors, hop, j'essaie de vous le trouver, j'aurais dû mettre des petits marque-pages. Commence ici. Vous avez toute cette partie-là sur la description des cartes avec à chaque fois l'image de la carte et l'énergie lunaire qui lui correspond, l'expérience secrète et voilà. Donc ça c'est pour chaque carte et avant vous avez toute cette partie-là justement où Monique Grande va nous parler de son expérience à elle à travers justement cette introduction. Ensuite, elle nous fait une présentation du jeu. Alors, le but du jeu des cartes Féminilune est de vous aider à mieux connaître et à mieux incarner vos différentes facettes énergétiques. En explorant les cartes par la voie du ressenti, vous apprendrez à agencer votre vie en fonction de votre cycle. Cet agencement concerne la féminité, l'amour, les relations, la sexualité, la créativité et la spiritualité. À qui s'adresse ce jeu? Donc elle explique que ce jeu s'adresse à tout le monde, qu'on soit une jeune fille qui n'a pas encore ses règles, qu'on vienne de les avoir, qu'on soit ménopausée ou pas. C'est vraiment un jeu qui s'adresse à toutes et à tous, puisque forcément, messieurs, vous êtes aussi concernés. Elle nous offre après la vision du contenu du coffret. Alors il y a un livre, 4 cartes gardiennes, 28 cartes énergie lunaire, qui est divisé en 7 séries et 2 cartes lune à découper. Voilà, les cartes lune à découper, elles sont ici. Vous les avez
là. Vous avez donc une explication sur les 4 cartes gardiennes, les 28 cartes énergie lunaire, comment elles se composent, comment elles se décomposent plutôt justement, qu'est-ce que vous retrouvez dans chaque catégorie, et elle explique aussi les 2 cartes lune à découper à la fin. Voilà. Le mode d'utilisation, elle vous propose un mode d'utilisation... Vous avez plusieurs façons de travailler dessus. Vous pouvez l'utiliser comme un oracle classique, piocher des cartes. Ou alors elle vous propose justement un travail sur plusieurs mois, avec pour le premier mois se relier aux énergies lunaires. Donc elle vous explique comment faire. Le deuxième mois, il va vous servir à apprivoiser votre cycle lunaire personnel à partir de votre propre ressenti. Le troisième mois, vous réalisez votre cadran lunaire. Le quatrième mois, vous tirez des cartes librement. Et le cinquième mois, vous reliez votre cycle personnel aux phases de la Lune. Voilà, donc c'est vraiment un beau travail à faire, un beau travail guidé en plus à faire. Ce que j'ai principalement aimé, moi justement, dans ce livre, bon, après vous avez des exemples de tirage, ce que j'ai principalement aimé dans ce livre, justement... C'est toute la douceur qui s'en dégage, les explications. En fait, je trouve que c'est un jeu qui est absolument merveilleux à offrir à une jeune femme qui viendrait d'avoir ses règles. Je pense que ça pourrait lui ouvrir un aspect justement de cette phase qu'elle est en train de vivre et puis de cette transformation qu'elle est en train de vivre, tout en douceur, en étant accompagnée, en voyant justement... maintenant avec quoi elle va devoir composer et toutes les énergies qui sont liées autour de ces cycles. Et puis on le ressent aussi physiquement en tant que femme, voilà les moments où on est plus fatigué, il y a des moments où on est tellement fatigué qu'on a la tête qui tourne, qu'on a mal au ventre, il y a des moments où au contraire on est beaucoup plus joyeux, voilà il y a toutes ces émotions aussi qu'on ressent et qu'on ressent physiquement en plus de mentalement dans son propre corps et qui sont liées aux phases de notre cycle. Et ça c'est vraiment super. D'ailleurs après elle a toute cette partie là sur l'exploration du cycle féminin où elle explique très très bien tout ça. Réapprendre à ressentir. Enfin, moi j'ai trouvé ça absolument merveilleux justement pour quelqu'un qui voudrait travailler sur son cycle. Alors forcément j'ai pensé à une jeune fille parce que c'est une phase très délicate et que c'est une phase qui, si elle est vécue de façon négative, peut laisser une empreinte comme ça sur la façon dont on va vivre ces cycles plus tard. Donc je trouve que c'est important justement de savoir comment accompagner aussi une jeune fille dans cette nouvelle approche de son corps, de sa féminité, dans ce nouveau développement. Et je le trouve vraiment très très bien fait pour ça. Voilà, après, bien sûr, ça peut accompagner n'importe quelle femme. Je pense qu'aussi que c'est quelque chose de merveilleux à mettre entre les mains d'un homme, justement, pour qu'il comprenne aussi certaines choses. Donc voilà, je dirais que c'est ouvert à tous, avec quand même une petite mention très spéciale pour offrir ce coffret à des jeunes filles. Voilà, donc ensuite on arrive à la description des cartes, et là je vais carrément vous les montrer, les cartes. Alors le petit pochon qui vient avec et les cartes rondes. Alors ça j'ai trouvé ça super justement, ce format tout rond. C'est parfait, c'était exactement ce qu'il fallait pour ce jeu. Je vous montre le dos des cartes, très beau. J'aime beaucoup. Vibrante couleur. C'est magnifique. Les cartes sont de très bonne qualité. Hein. Elles sont plastifiées, enfin pas plastifiées, elles sont vernies brillantes. Assez épaisses, vraiment très très bien. Voilà. Aimer, s'unir, créer, enfanter, bercer, nourrir, transmettre. Et vous voyez qu'elles ont des contours différents justement en fonction de la catégorie dans laquelle elles se trouvent. Pétiller, rayonner, s'affirmer, s'enflammer, se rebeller, chevaucher, se tendre, se poser, lâcher prise, honorer, faire silence, se relier,
se purifier, s'éveiller. Ça, ce sont d'ailleurs les cartes jeune fille. Fleurir, se mettre en mouvement, s'érotiser, se libérer, danser, communiquer, désirer. Voilà. Donc ici vous avez la série des jeunes filles lumineuses. Je suis désolée, je vous les avais pas mis dans l'ordre, dans l'ordre des séries. Hop. Celle-ci. Alors, je vous retrouve pour être sûre de ne pas me tromper. Celles-ci, ce sont les femmes sauvages. Cette série-là, c'est la série des enchanteresses visionnaires. Hop. Et cette série-ci, c'est la série des mères accueillantes. Et vous avez donc ici les quatre gardiennes. Une gardienne pour chaque série. Donc je vous mets les informations sur ce jeu juste en barre d'infos pour savoir où le trouver. Et voilà, je vous souhaite une très très belle découverte et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.